Lors de la vidéo réaction au trailer de Godzilla vs Kong, je vous avais dit que je ne ferai pas que du jeu vidéo sur la chaîne. Je vous parlerai aussi de cinéma. Eh bien, continuons, mais cette fois-ci avec Predator 5. Bonjour la team HTM, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, je vais vous parler de Predator 5. Car celui-ci a été officialisé, mais surtout nous avons de nouvelles informations à son sujet. Donc c'est parti, on commence. Tout d'abord, je suis un grand fan de la saga Predator. Alors certes, celui de 2018, The Predator, qui a été réalisé par Shane Black, était vraiment pas terrible. Mais pour le reste, surtout le premier, c'est vraiment des films excellents. Et dont j'espère avoir un prochain film, et donc celui-là, être à la hauteur du premier. Et on va dire qu'on peut y arriver. Car tout simplement, on a eu le nom de celui qui travaillerait sur Predator 5. Et surtout qu'il travaille depuis déjà 4 ans sur Predator 5. Et c'est nul autre que Dan Trachtenberg. C'est un jeune cinéaste qui a eu l'occasion de faire ses preuves avec le huis clos 10 Cloverfield Lane, qui est une grande réussite. Et pour le moment, le film a comme nom de code Skulls, qui veut dire crâne en anglais. Et je pense que vous avez compris le lien avec Predator. Et ensuite, c'est le site spécialisé AVP Galaxy qui nous a fourni le synopsis du film. Et je vous le lis. L'histoire suivra qui ? Une femme Comanche qui va faire face aux normes genrées et aux traditions pour devenir une guerrière. Il y a bien longtemps, avant que les Européens ne soient venus envahir leur terre, le peuple Comanche a eu une société bien définie et des normes de genre. Qui est très proche de son petit frère, Tabé, qui est formé pour devenir chef, aussi capable que n'importe quel homme de la tribu, qui a toujours été une professeure et une source d'inspiration pour Tabé. Dans les traditions Comanches, elle est Patsy, la grande sœur qui l'a aidé à se constituer, qui détient la vérité et des connaissances que d'autres n'ont pas. C'est un garçon manqué qui veut faire ses preuves dans le monde masculin des Comanches. Lorsqu'un danger les menace tous, qui part pour prouver qu'elle est tout aussi compétente qu'un jeune guerrier? Très franchement, ça ne vous fait pas envie? Surtout que voilà, on va pas être dans une époque moderne, on va être à une époque où, tout simplement, l'Amérique n'a pas encore été colonisée et découverte. Et donc, on va suivre des Indiens. Et ce que j'espère au plus haut point, c'est que tout simplement, on va bien visiter toutes les traditions qu'ils ont. Que cela ne soit pas mis au second plan. Et surtout, ça pourrait être très intéressant. Car il pourrait y avoir un lien entre le Predator et les Indiens. Par exemple, moi, j'imagine pour ma part que le Predator va étudier tout simplement ses Comanches et va s'imprégner de leurs traditions, de leurs méthodes de chasse pour les chasser. Et surtout que ce sera la première fois dans la saga Predator que l'on va suivre une héroïne. Et ça se voit que le film veut véritablement mettre des nouveautés. Et ce n'est pas tout, car comme je vous ai dit, on va être à une époque où l'Amérique n'a pas été colonisée et découverte. Eh bien, cela veut dire qu'il n'y aura pas d'armes à feu. Et c'est là que ça peut être très intéressant et très épique. Car on aura des scènes d'action, des scènes de fight, qui seront, je pense, déjà bien plus travaillées. Et surtout qu'on verra des choses que l'on n'a jamais vues. Et qu'est-ce que j'ai hâte ! Du côté de la date de sortie, on n'en a pas pour le moment. Mais par contre, on a une date pour le début du tournage. Et c'est toujours d'après le site AVP Galaxy. Et donc, d'après eux, le tournage devrait commencer au mois de mai 2021, à Calgary, au Canada. Donc voilà, c'est toutes les informations que j'ai pu vous donner par rapport à Predator 5. En tout cas, pour ma part, je suis overhypé. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. À me dire si vous vous êtes hypé par rapport à ce projet. Et bien sûr les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.